778 entre le 794. Salut les pétanqueurs, bienvenue sur la web télé. Bienvenue chez vous. Très heureux de vous retrouver ici à Obja pour suivre donc cet international masculin. Mais ce matin, en quart de finale, c'est une très très belle partie féminine que nous allons vous proposer. Les féminines, elles ont joué 8e jouée hier soir et démarrent ce matin, un petit peu plus tard que les hommes, donc en quart de finale. Et donc, on va vous proposer ce quart de finale donc pour cette fin de matinée avec deux équipes que vous connaissez en partie ou même complètement. Vous les voyez à l'écran. L'équipe de France qui sera représentée par Nadège Boussian-Prota, Elodie Esteve et Torea Terrio face à la plus titrée des joueuses françaises, Angélique Colombet, associée à Fangia Aubriot et Maryse Chassin. Voilà, ça va démarrer dans quelques instants, tout ça sous les yeux de l'arbitre national, Blandine Veltin, qui va donc surveiller au bon déroulement de cette partie, puis vous donner éventuellement quelques indications lorsqu'il y aura des petits arrêts plus longs à faire à ces joueuses, si toutefois cela est nécessaire. Voilà, ça démarre à l'instant. On est très heureux de vous proposer ce quart de finale ici à Obja dans des conditions optimum. Hein. Magnifique carré d'honneur. Le temps est de la partie. Pas trop chaud, pas de soleil. Terrain 25, le 811 contre le 737, 811-737. Parti. Voilà, prise de photo habituelle. Putain, j'ai... Sur le terrain 26, le 828 contre le 833, 828-833. Non mais je vais me décaler un peu comme ça, si tu veux me mettre à l'écran, je suis pas... Voilà, c'est parfait là. Sur le terrain 28. Le 877-743, 877-743. Allez, j'ai du but par Fangia Aubriot et démarre. Si vous voulez donner un petit coup de sifflet pour le début des quarts de finale féminin, c'est parti. Voilà. Quel joli coup de sifflet. Allez, avec ce premier but, à 6,80 m. Sur le terrain 33, le 774-842, 774-842, terrain 33. Ouais, l'équipe de France avec dans ses rangs donc Torea Terrio et Nadège Boussian-Prota qui sont présélectionnées, donc joueuses à suivre, hein, présélectionnées pour les futurs championnats du monde. Et oui, il y aura 4 places pour 8 présélectionnées, donc évidemment. Le 826 tout contre le 781. Tout est important, les coups de jouer. Il va falloir tirer son épingle du jeu pour faire partie de cette équipe de 4. Dans les derniers 8e de finale, c'est la formation de Rudy Henri Ismaël Chambaud qui mène 12 à 6 face à Khaled Abdel Majid Lofty Lamata. Allez, sans problème pour Estève. C'est la formation de Christian Henriant-Sévon qui mène face à celle d'Anthony Duché. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats. On est connecté ici à Obja. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, vous avez l'évolution des résultats. Alors les hommes, vous le savez, vous avez suivi peut-être une partie en 8e de finale précédemment. Les quarts vont être relancés pour ce matin. Et terrain puis, 115, le 865, 755. Elles, je vous le disais tout à l'heure, elles ont joué leur 8e de finale hier, donc elles ont pu faire un petit peu la grasse matinée ce matin pour démarrer à 10h. 10h30 même. Je dirais même 10h45. On a pris un tout petit peu de retard puisqu'on a attendu évidemment que
les jeux se libèrent et vous voyez, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde ici. Le temps s'y prête, hein, parce qu'hier, il faisait très, très chaud. 40 degrés avec la tribune en face là, qui est en plein soleil. Donc évidemment, elle était un petit peu moins garnie, mais là, aujourd'hui, le soleil est caché. Donc c'est une température idéale pour regarder et pour jouer à la pétanque. Allez, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. C'est en second plutôt, puisque c'est Marie Chassin qui venait de pointer. Donc, Fangia Cobrio au tir. Ça, c'est fort. Elle est tombée entre les deux boules sans rien toucher. Eh bien, un coup à droite, un coup à gauche. Allez, il faut se mettre dans la partie. On sait que les premières boules sont toujours un petit peu délicates. Allez, Angélique Colombelle, elle va avoir bon jeu, hein, parce qu'elle est droitière. La boule un petit terrain peu 3, le 876 contre le 809. 876, 809. Donc, on va peut-être jouer avec, à moins qu'on réfléchisse à les tirer. Terrain 12, le 807 contre Touré, le 756. Thériault, qui postule dans cette 807, équipe de 4 pour les championnats du monde 12. Que vous pouvez retrouver sur YouTube. Hein. Elle a été mise en avant lors du terrain international 36, de Palavas. 796-875, 796-875, terrain 36. Voilà, joueuse à suivre, hein, dans une petite série de vidéos où on la voit en action. Alors, on avait choisi de tirer. Et on a manqué, vous l'avez vu. Donc c'est la dernière boule déjà qui arrive pour Colombelle. Alors il ne faut surtout pas qu'elle colle ces deux boules. Ah non, alors il n'y a aucun risque qu'elle colle les deux boules ensemble. Alors on va aller par... Ah non, on va même pas aller par principe au cercle pour décider. On a déjà pris la décision. Toré Thériault, hein, qui tire de tête dans cette équipe et qui va tenter de faire un petit peu de place. Allez, boule cible. La boule légèrement foncée sur la gauche. Alors, c'est casquette. Alors, c'est une petite casquette qui peut peut-être finalement servir parce qu'elle a dégagé complètement la boule. Donc, maintenant, elle peut tirer. Il n'y a vraiment aucun risque de contre. Et ben voilà, c'est fait. Allez. Rien n'est fait, hein, parce que là on est quand même pas très très loin. On a première boule adverse qui est à 70 cm, donc il va falloir beaucoup d'application. Trois boules en main, je pense qu'on serait très content déjà avec deux boules sur trois, la main serait vraiment payée. Terrain 98, le 857 contre le 715. 857, 715. Sans problème pour Estève, il y en a deux. Terrain 41. Le 854 contre le 758. 854, 758. Et voilà, on fait une petite référence, notre ami Lionel Zanel, à la future web télé Boulistenote, hein, qui sera présente à Bastia dans 15 jours. Et voilà le cordage que vous allez retrouver sur la place Saint-Nicolas. Terrain héritage 100, ramené par Pierre Cornille, le 745, 846, le boss ici. 745, et ouais, je vous parlais de cette ligne, hein, qui paraît pourtant un petit peu à l'écart du but, mais on s'est fait piéger. Père Cornille qui ira la semaine terrain précédente 102, pour aller le 716 ses amis contre Bastier, le 798 pour saluer 716, la famille Lamperti qui va nous recevoir dans 15 jours. Alors, ça, c'est incroyable. Sont demandés aux graphiques des jeunes, s'il vous plaît. Qui s'est perdu deux fois. Ça sera que deux points. Alors finalement, c'est pas cher payé. Hein. Je pense qu'on aurait signé tout de suite là pour les blancs et roses. Deux points simplement dans cette main.
2-0 pour Bossion-Pota face à Colombey. 114, le 772 contre le 820. 772-820. Christian Brianceno, Donovan Lamberger, Valdun Mani, case attribuée 3. Ce sera pour jouer contre la formation de Mohamed Méchoua, Théo Aurel Cérès, Théo Erger. Voilà. Un petit quart d'heure, on vous laisse. Allez, on aime bien jouer près de la ligne du côté de Angélique Colombey. Sur le terrain 35, le 712 contre le 806. 712 de France. Sur le terrain 110, le 859 contre le 726. 859-726. C'est dommage hein, pour Marie Chassin, elle n'a pas pris la place tout de suite parce que, vous voyez, on avait voulu jouer près de la ligne. Elodie Estef qui avait voulu le faire très très beau et qui s'est fait piéger. Marie Chassin qui a laissé un petit peu de place. Voilà, c'est sans problème, on n'a pas pris de risque. L'important c'était de faire jouer. L'étau se resserre un petit peu. Belle réaction là de Marie Chassin, superbe à point. Terrain 101, le 839 contre le 862. 839, 862. Sur le terrain 43, le 790 contre le 793. Le 794 attend le 778 sur le terrain 7. Le 778 est attendu sur le terrain 7. Casquette. Je pense qu'elle a voulu faire une petite référence à moi-même. Allez, on n'est pas sûr hein, que ça ait suffi. Adverse en second. Ah, il est derrière, sans que ça n'a pas suffi, c'est ça. L'impression que la première était la bonne. Alors, c'est mieux qu'un trou parce qu'elle a quand même écarté un petit peu la boule. Quart de finale, le choc qui oppose. C'est la cinquième hein, qui arrive là pour. L'équipe de France. Samuel Lamarre, Lucas Desport, qui a inscrit 3 points. Sur le terrain 1, le 871. Allez, Francio Abrio qui reste sur 2 échecs à la première main. Et ben voilà, c'est parti. C'est frappé, ça fait jouer. Sur le terrain 105, le 788 contre le 707. 788-707. Donc, main intéressante. Allez, terrain 107, le 791 contre le 816. 791-816. Obliger l'adversaire à bien jouer ses dernières boules. Bah, c'est fait, voilà. De le gagner. Allez, 3 boules à rien pour Colombey. Et possibilité d'ouvrir le score.
Et bien c'est fait avec ce petit palais magnifique. Et ben, belle réaction hein, de l'équipe Colombais là qui avait été un petit peu moins performante à la première main et là qui s'ouvre une main. Alors il y en a deux sur le tapis, deux boules à Angélique Colombais qui elle va jouer à droite. Terrain 116, le 887 contre le 843, 841. 887, 841, terrain 116. Terrain 78, le 888 contre le 886. 888, 886. Toujours autant d'applications, hein, vous le constatez, chez Angélique Colombais. Moindre boule jouée, c'est tout le temps le même scénario, la même préparation avec toujours autant d'applications, quelle que soit la boule à jouer. Et ces points de rajout qui sont très très importants, même en début de partie, vous voyez, il suffit de dire de bien. L'impression qu'elle a envoyé un petit peu plus courte quand même. Allez, ça sera 3 points. Maillot jaune pour l'équipe Colombais. 3-2 à l'issue de cette deuxième main. Mano à mano commence entre ces deux équipes. J'en profite hein, pour féliciter Pierre Cornille et toute son équipe ici à Ouja pour la réalisation de ce magnifique carré d'honneur. Une condition vraiment excellente hein, pour vous proposer ces belles images. Je le disais ce matin avec Pierre Cornille, l'organisateur, c'est le fait comme ça, avoir ce carré d'honneur très très large, d'avoir cette petite partie en moquette là, qui permet aux joueuses de se mettre vraiment à l'écart du jeu et sans avoir à attendre, parce que souvent quand on a des jeux comme ça qui sont très serrés sur ces carrés d'honneur, on est toujours obligé de regarder à droite, à gauche, ça va tirer, ça va pointer, il faut attendre que la partie d'à côté joue ses boules, alors que là non, vraiment on peut évoluer dans ce carré sans pratiquement se soucier des parties d'à côté, donc le jeu est beaucoup plus fluide, ça permet d'être concentré uniquement sur sa partie, ce qui est vraiment très très bien. Terrain 122. Alors vous l'avez vu, ce but qui s'est bloqué contre le 718. Pratiquement 718, sur la corde. Terrain 122. Avec un jeu à 10 mètres, hein, on doit être à 9,95. 814 contre le 732. 814, 732. Allez, il y a un petit peu de place pour Elodie et Steve. Ah non, donc voilà, j'avais un petit doute sur l'emplacement du but par rapport à la ficelle, mais non, il est loin de mordre, donc il est tout à fait réglementaire. Je vous rappelle la règle hein, qui a changé récemment. Si vous jetez le but et quittez l'aplomb de la ligne, il n'est pas bon. Si par contre le but longe la ligne, touche la ligne, la ficelle et revient dans le jeu, le but est considéré comme bon. Voilà. 703-765. Donc là, il n'y a aucun problème, on l'a bien vu à l'écran. Alors Elodie Estève, là, elle a fait le minimum syndical, hein, mais c'est gagné, ça fait jouer. Ah, Marie Chassin, elle n'a pas pris assez de risques. Hein. Là, elle a joué vraiment, vraiment à l'écart. Elle est surtout un petit peu faible au niveau de la force. Ah, puis on l'a vu sur ce terrain qui est très, très dur, là, la boule sautille un petit peu, donc si on la laisse pas vivre un petit peu, elle a vite fait de prendre deux, trois petits graviers. Et dans ces cas-là, la boule ne part jamais dans le bon sens. 742 contre le 792. 742, 792. Quand j'ai les Colombais, là, elle n'est pas trop embêtée par la ligne, parce qu'avec la boule, avec le biais, vous voyez, elle est obligée de jouer à l'intérieur. Et l'Estève qui est resté 1m20 devant le but. 12-9 pour 8e. Ah oui, j'ai dit quart. J'ai perdu.
12 à 9 pour la formation de Rudy Chambaud. Sur le terrain 99, le 853 contre le 728. 853, 728, terrain 99. Allez, on se rapproche, c'est gagné. Ouais, pas tout à fait satisfaite, hein, j'ai dit Colombet. Terrain 111, le 775 contre le 866. 775, 866, terrain 111. Ça c'est beaucoup mieux, ah ouais, elle a bien rectifié par rapport à sa première. Alors on se rapproche de plus en plus, il y a encore un petit peu de place. Terrain 112, le 817 contre le 713. 817, 713, terrain 112. Terrain 119, le 848 contre le 761. 848, 761. National cadet, dernière partie de groupe. Alors on a pris le temps le de la réflexion. Le 1 contre le 20, terrain 144. Ah super, magnifique, quel endroit. 25 contre le 24 au terrain 143. Ah, il fallait vraiment dribbler la boule devant. Le là, 7 contre le 6, terrain 142. Le 11 contre le 18, terrain 141. Le 17 contre le 4, terrain 140. Le 15 contre le 3, terrain 139. Le 16 contre le 26, terrain 138. Poussé, plein fer, hein, le 10 contre le 12, terrain 137. Le 19 contre le 22, terrain 136. Le 21, exempt. Le 8 contre le 14, terrain 135. Le 23 contre le 13. Allez, 3 boules à 2 pour l'équipe de France avec le point sur le tapis. 4. Sur le terrain 123, le 849 contre le 847. 849, 847, terrain 123. Alors elle n'a pas fait le bec du bon côté. Je pense qu'elle est arrivée. 9, terrain 133 en KB. Un petit peu vite là. Donc elle a, je pense qu'elle était bien contente de toucher la boule quand même. Alors on est deux fois en second pour Fangio Brio. Pas impossible qu'on aille tirer. Alors on est en début de partie, c'est sûr. Troisième tour pour les minimes. Le 8 contre le 3, terrain 129. Le 1 contre le 5, terrain 130. Le 7 contre le 4, terrain 127. Allez, le dernière 5 boule. Le 6, et on a choisi de tirer. 128. Ouh là là, elle a envoyé la foudre là. Elle a envoyé la foudre, elle est passée 40 cm derrière. Alors, 3 boules de rajout. Est-ce qu'on va profiter? Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. On a plusieurs choix. Est-ce qu'on va tirer tout de suite en espérant écarter les deux là qui sont un petit peu alignés? Allez, c'est ce qui a été retenu. Au moins en frappant la première, on va gagner à peu près 30 cm hein, de place. Donc c'est pas déjoué, 3 boules en main. Ah non, c'est sauté. Bah décidément, les boules sont pas assez loin pour ces joueuses. Alors la situation qui n'a pas évolué. 2 boules en main. Thank you.
Allez, il faudrait rentrer au moins en troisième position pour peut-être avoir une... Vous la fabule, parce que là, il n'y a vraiment pas... Ouh là, ouh là, ouh là, contre le 793-714. Ouh là là, elle a failli faire une petite catastrophe. Allez, dernière boule de la main. Je pense qu'on va être un petit peu court cette fois-ci. Contre le 709, terrain 44. Ouais, non, c'est juste qu'on n'est pas au jeu. Eh ben, on s'en tire bien encore hein, du côté de l'équipe Colombais. Un point seulement contre elle. Et trois partout. Le 807 attend son adversaire, le 756 au terrain 12. Sur le terrain 107, le 791 contre le 816. Allez, c'est reparti et on flirte avec les lignes pour l'instant. Le but est à 7,80 m. Sur le terrain 33, le 842 contre le 774. Sur le terrain 23, le 850 contre le 710. 850, 710, terrain 23. Eh bien ça va, c'est gagné. Un petit peu moins belle, mais... Sur le terrain 121, le 759 contre le 760. Ah, dommage, c'est un petit peu écarté à la fin. Terrain 4, le 821 contre le 832. 821, 832, terrain 4. Sur le terrain, je vais regarder le tiers de finale. Il peut lutter parfaite, 12 partout. Des formations de Khaled Lamazza et Rudy Chambaud. Terrain 125, le 872, ah bah non, décidément. Le 883, 872, 883. La neige motion prota, elle n'est pas très copine avec les ficelles. Hein. Elle n'a pas très bien piqué, certes, mais... Contre le 738, 733, 738, terrain 20. Terrain 47, le 749, 702, 749, 702. Terrain 51, le 762 contre le 838, 762, 838, terrain 51.
Bah, décidément, on flirte avec les boules ou avec les lignes. Hein. 11, le 723 contre le 723. Ah oui, ça suffit. Ça suffit. Alors, c'est vrai qu'elle avait vu pratiquement le devant de boule tout le long et la boule qui s'est écartée au dernier moment. Alors attention, parce que c'est 4 boules en main. Hein. 2 pour Angelo Brio, 2 pour Angélique Colombet. Alors, personne n'est venu très près jusqu'à présent, donc on peut penser quand même que le jeu n'est pas simple. Et puis je vous rappelle, hein, c'est quand même très très dur. Ah, j'ai tort. C'est un copier-coller là pour l'équipe de France. Alors on n'est pas trop bien sur la main, mais on garde quand même le sourire. Alors 3 boules à venir, le point pour Colombet. Terrain 30, le 858 contre le 804. 858, 804, terrain 30. Ah, on a peur de cette ligne. Hein. Là, on avait joué un tout petit peu plus à l'écart, et puis la boule qui est partie complètement à droite. 736, alors, on tire à deux, donc je pense. Non, autant pour moi, on tirait au point parce qu'on n'avait pas voulu tirer tout de suite, on pensait qu'on allait le gagner et puis finalement, avec deux boules, ça n'avait pas été le cas. Donc maintenant, c'est fait. C'était un tapé pour le point et boule de rajout. Dernière boule de la main. Eh ben, je crois que c'est la plus belle, celle-ci. Alors, on va attendre le décompte final. Alors je pense que c'est 3 points. On va attendre confirmation du score. Sur le terrain 26, le 828 contre le 833. 828, 833, terrain 26. Et bien c'est ça, c'est confirmé. 3 points supplémentaires. Allez, petit avantage dans cette partie. Et on continue à flirter avec les lignes, là, du côté de l'équipe Colombet. On aime bien jouer en travers. 6 à 3. Terrain 8, le 765-703. Allez, avec un jeu à 7 mètres. Alors. Même. Terrain 92, le 729 contre le 822. 792. Terrain 92, le 729 contre le 822. Terrain 38, le 763-717, terrain 38. Alors, on continue à flirter avec les lignes. Alors, pour l'instant, ça n'a pas été très bien pour Marie Chassin. Donovan, 2-2 sur le terrain 120. Si dans 5 minutes tu n'y es pas, tu seras disqualifié.
Ouais, c'est frappé de la deuxième, mais ça compte. Ça fait jouer. Enfin, ça fait jouer. Non, tant pour moi, il n'y a plus de boule sur le jeu. Hein. On joue en travers. Là, tout le monde est sorti. Que ce soit au point ou au tir. Sur le terrain 78, le 886 contre le 888. Ouais, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Il n'a pas pris de risque du tout, là. Il a tiré les conséquences de sa première boule jouée. Et bien, c'est terminé, la dernière équipe qualifiée pour ce quart de finale. C'est Rudy Henri Ismaël Chambon. Ouais, superbe, superbe. On avait décidé d'attaquer. Il n'y avait pas de boule dans le jeu. Petit palais, là, qui va bien, bien arranger la main. Terrain 66, le 870 contre le 725. 870, 725. Alors, c'est l'équipe de France là qui est en passe peut-être de rendre la main. Terrain 59, le 802 contre le 767. 802, 767. Le numéro 715 est attendu. Alors, sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de place. Pour jouer contre le 857. Et c'est un petit peu hors jeu. Elle n'a pas très bien piqué, je pense aussi, parce qu'elle a envoyé bien en face du but. Allez, dernière boule pour Colombet. Et il restera 4 boules. Voilà, je suis perdu dans les touches hein, aujourd'hui. Pour cette partie féminine. 4 boules pour l'équipe de France. Terrain 48, le 786 contre le 785. 785. Alors celle-ci est à l'opposé. J'ai pas l'impression qu'elle l'a gagnée, sinon je pense qu'on n'aurait pas du tout hésité à les tirer tout de suite. Alors soit on va tirer deux fois, en espérant cadrer une fois on peut faire quatre. Terrain 21, soit on va pointer. Le 727, 818, 727. Alors qu'est-ce qu'on décide? On va pointer. Allez, on va attendre. On aura le temps de tirer encore. Hein. On est 4 boules en main. Si elle le rentre, on continue à pointer. Si toutefois il y a un tir à 2 ou s'il faut tirer deux fois pour faire ajouter, je pense que là on n'hésitera pas du tout. Et ben, c'est rentré. Donc on va continuer à pointer, c'est sûr. Il y en a 2. Je ne l'avais pas précisé, mais vous l'aviez constaté, hein, c'est Nadège Boussion-Prota qui a pris le tir de tête avec succès dans cette main. Allez, encore 3 boules de rajout. Oh, le petit caillou qui va bien, là vous l'avez vu, qui a été arrêté. Il a arrêté net la boule. Alors, il y en a 3. Terrain 49, le 880 contre le 840. 880, 840, terrain 49. Terrain 52, le 769 contre le 830. 769, 830, terrain 52. Allez, 3. La main serait complètement payée si Nadège rajoutait. Dernière boule de la main. Pour l'instant, l'équipe de France qui revient à hauteur de ses adversaires. Et boule pour passer devant. Le et bien c'est fait. Il y en a 4. Attend son adversaire. Allez, le très belle main au point. Au terrain 9. Maillot jaune pour l'équipe de France. Vous l'avez constaté, hein, si vous avez été voir les résultats dans l'appli Bouliste Note, la Belgique est toujours en course.
qui joue actuellement les quarts de finale. On a une Citroën C3 qui bloque la circulation. CD-759-VG-87. La haute vienne de la gare CD-759-VG. Citroën C3, vous bloquez la circulation. Merci de déplacer le véhicule rapidement. Sur le terrain 54, le 835 contre le 745. 835, 547, terrain 54. Continue avec ce jeu complètement en travers. Terrain 57, le 861, 845, encore avec les lignes. 861, 845, terrain 57. Terrain 73, le 708 contre le 863. 708, 863, terrain 73. Terrain 2, le 768 contre le 760, 768, 760, terrain 2. Terrain 1, le 878 contre le 856, 878, 856, terrain 1. Voilà, super. Voilà, elle a réveillé tout le public, si toutefois le public était endormi. Magnifique changement de couleur, il n'a pas bougé, hein. Belle courbe. Ouh là, celui-là il va compter, celui-là il fait mal, hein, parce que on ne contacte pas tout de suite, on aurait pu choisir le 795 de tirer pour le 780, faire un peu de place. 795, 780, terrain 29. Ouais, c'est bien pointé, hein. C'est très très bien pointé, hein. Ça c'est une boule qui va compter. Maintenant, on va pouvoir aller le défendre. Le 741-836. 741-836. Le quart de finale féminin sur le terrain. La formation d'Aurélie Rousseau-Roubaine. 7 à 3 face à celle d'Océane Lovatel. Sur le terrain, c'est Angélique Georget. Alexandra Debelle. Ouh là 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 là. Superbe. C'est rendu. Eh bien, qu'elle mène là de tir. Ben c'est l'équipe colombienne qui se retrouve avec deux points maintenant, deux magnifiques points. Terrain 60, le 724 contre le 881, 724, 881. Terrain 46, le 803 contre le 748, 803, 748. Ah, superbe, superbe, très très bien tiré, deux belles frappes là. Là, lui était un petit peu dans le coup. Donc, mène nul. Score inchangé, 7 à 6 hein, pour l'équipe de France. Et on va démarrer la 7ème mène. Alors, la 774 est attendue au terrain 33 par la 842. Elle a déjà 3 points de pénalité, disqualification dans 5 minutes. Donc j'invite cette équipe 774 à être sur le terrain. L'arbitre est présent, il va disqualifier dans 5 minutes. Thank you.
Un arbitre est demandé au terrain des jeunes. Steve. Oh là, je crois qu'il le 704 petit... contre le 831 réussite. Terrain 56. Elle était un petit peu vite, elle n'était pas du tout au jeu. Chassa, mais ça compte, ça fait partie du jeu. Terrain. Alors, 50, le 726 contre le 874, 720, bâtard, 874, terrain 50. On est vraiment partagé entre le fait de... essayer de se rapprocher. Et non, on va tirer. Parce que je judicieux, il me paraît. Oh là là, là pas bien. Terrain 61, le 810 contre le 890. Bise là, 810, 890, terrain 61. Qui n'a pas suffi. Allez, ben en plus là, il faut qu'elle se gêne de rien du tout. Hein. Team Belgium de Michael Mazui, Logan Baton, Jérémy Pardon. Troisième qui arrive, une seule boule jouée par leurs adversaires, donc là, je pense qu'elle ne sera pas du sur tout le terrain 32. Sur le but. Sur le terrain 32, le 851 contre le 867. 851, 867, terrain 32. K211NK19 et un Picasso C4 AD782HS. Merci de les déplacer rapidement. Nissan Picasso C4. Sur le terrain 45, petit rectificatif, le 878 contre le 856, terrain 45. 878, 856, terrain 45. Pour la formation d'équipe de France de Ludo Montoro, 9 à 2. Alors après avoir une main, à l'avantage de l'équipe de France là, qui a scoré avec... 4 points. J'ai l'impression qu'on va essayer de renverser la tendance puisque 2 boules à 4, le point pour l'équipe Colombais. Ça s'annonce bien pour Aubryo. Colombais et Chassin dans cette mène. 885, terrain 55. En plus là, Elodie Estève va être obligée de prendre un petit peu un risque. Hein, il faut absolument passer la boule. Donc évidemment, pas plus que ça. Ouais, c'est parfait. Terrain 65, le 722 contre le 739. 722, 739, terrain 65. Sur le terrain, il se mène de 4 points supplémentaires pour les Bleus d'Éric Dastas, Loïc Dupuis, Stéphane Dernier qui ont fait un gros break. 11-0 face à la Team Belgium. Mais décidément, les boules ne sont pas assez loin hein, pour Fangio Aubryo. C'est pas la première qu'elle saute dans cette partie. Eh ben non, décidément, on va pas profiter de cet avantage. Je pense qu'on va pas tarder à tourner hein, du côté des blancs et roses.
Eh bien, la main qui leur semblait tout acquise, finalement, va leur échapper. Le dernier bâton pour sauver la Belgique de la déroute. Toujours 11-0 en faveur de la formation de la Ligue d'Asnas. Allez, plus de boule en main pour Colombet. Sur le terrain 24, le 777 est attendu. Si dans 5 minutes il n'est pas sur le terrain, il sera disqualifié. 777. Allez, on tire au point et c'est manqué. Et bien décidément, ça n'aura pas été la main des tireurs. Et je pense qu'on est tout content. On a eu raison de tirer une troisième fois là pour les roses et blancs. Avec cet échec de Théo Terria, 7 partout. Rudy, Henri, Ismaël Chambaud contre Dominique Cohn, Valentin Boris, Damien Ramos. La formation de Rudy Chambaud. Venez récupérer l'affiche, s'il vous plaît. Même l'outil ne s'arrête pas dans le. National masculin sur le terrain B, 23 points pour la formation de l'équipe de France de Ludo. Montoro, Lucalespor, Samuel Lamar. Ils ont fait le break 12-2 face à France Espoir. Le 787 est attendu sur le terrain 86. 787 pour jouer contre le 764. Ça fait déjà 20 minutes que son adversaire l'attend sur le terrain. Série de deux séries en cours pour Logan Bâton qui sauve encore une fois la team Belgium. Toujours 11 arrêts. Sur le terrain, c'est la formation de Rudy Rousseau qui mène 7-4. Celle d'Angélique Changé qui mène 8-6. Alors c'est gagné pour Elodie Estève, mais ça laisse un petit peu de marge pour Merci Marie Chassin. Jean-Luc qui a mené ça la parole. Parfait.
La 757 est attendue au terrain 24 par la 767. Ouais, c'est parfait. Il vous reste 5 minutes avant la disqualification. Et déjà, vous avez déjà 3 points de pénalité. Voilà. Alors, et au terrain 86, la 787 est attendue par la 764. Vous êtes couvert depuis 11h18. Vous allez attaquer les points de pénalité. Donc, s'il vous plaît. Sinon, à midi, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Allez, échec de peu, mais c'est un trou. Allez, on y retourne. Allez, c'est mieux. Là, je pense qu'on va contre-attaquer. Alors, idem pour la 775 qui ne s'est pas présentée peut-être encore sur le terrain 111. Le corps arbitral va arriver et puis il va procéder à disqualification s'il n'y a personne sur les jeux. Merci. Je vous rappelle qu'il y a des belles parties dans le carré d'honneur, mais vous avez pris le choix de jouer ce matin. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas dans les tribunes. Sinon, voilà, on vous redonne vos licences et c'est fini pour vous. Merci. Une marche arrière de Samuel Lamara pour qualifier cette équipe de France. Le 812 est demandé à la table de marque. Le 879 est demandé à la table de marque. 879. Première équipe qualifiée pour les demi-finales. C'est la France de Ludo Montoro. Samuel Lamara, Lucas Lesport. Allez, ça va lui faire du bien. Hein. Torreo Aterio là qui avait été un petit peu en difficulté au tir là depuis quelques temps. Le 767 est attendu par son adversaire sur le terrain 59. 767 sur le terrain 59. Allez, on va privilégier le point encore hein, parce qu'on a bien senti qu'on était un petit peu aussi en difficulté au tir là du côté de l'équipe colombais. Malgré le fait qu'on soit 3 boules à 2 et qu'on défende 2 points. On va pointer et essayer de faire jouer l'adversaire. Voilà, elle a un petit peu traversé le jeu. Alors, deux boules à deux. Deux boules à Fangio Abrio, une boule à Torre Aterio et une boule à Elodie Estève. Alors je crois qu'on va tirer, là on défend 3 points, alors on est en retard de boule hein, puisqu'on est 2 boules à 2 mais le point contre soi. Allez, on va jouer un petit peu sur la faute de l'adversaire là, en tapant et en espérant qu'on ne vienne pas trop près. Oh là, alors là elle a fait le jackpot là parce que elle a frappé, c'est très bien. Et un petit peu de réussite puisqu'elle a embarqué le but, elle a complètement remis dans le circuit les deux autres boules. Donc là, on a 4 points, dont 3 qui sont très très bons. Ah oui, le but qui a fait quasiment 15 cm, hein, donc ça compte. Ouh là 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 là, alors ça c'est gravissime. Sur le terrain 36, le 796 est attendu. 796 est attendu sur le terrain 36. Alors, boule à boule. Extrêmement importante.
Ouh là là, heureusement qu'elle a touché parce que je pense qu'elle était passée des 3. Elle est peut-être passée des... Non, on va tirer. Donc, ça vaut le coup. Alors, on aura le... Là, impossible de vous dire ce qu'il en est exactement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on tire pour 3 minimum. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tiré la bonne du côté de Fangia Aubrio. Et oui, elle a tiré sa boule. Alors je crois qu'elle s'est trompée. Sur le terrain 4. Et je crois qu'elle a donné le point à ses adversaires. Le 832 attend son adversaire, le 821. Et oui, c'est bien ça. Plus que 2 minutes pour se présenter sur le terrain. Merci. Elle était de bon cœur, hein, mais... Et oui, ça arrive quelquefois. Allez, dixième main, un point supplémentaire pour l'équipe de France. Et on va à nouveau poser le but puisque celui-ci est sorti du terrain. Sur le terrain 27, le 829 est attendu, plus que 5 minutes, 729 sur le terrain 27. Pardon, 829 sur le terrain 27. Le 829, Yvon, David et Uge, Eric sont attendus sur le terrain 27. Allez, on était un petit peu trop gourmand là, du côté de Marie Chassin. Cette partie, les boules n'auront pas été assez loin pour les tireuses. Là, c'est... On a eu quand même beaucoup de boules sautées. Et ben, on va être condamné à pointer, j'en ai peur. Hein, là. Sur le terrain C,
formation de Gilles, Georges, Alexandra Debel et Martine Perrin qui mènent 8 à 7 face à Eva Palagrand, maintenant plus haut que la meilleure année. 8 à 7 également en faveur de l'équipe de France de la Belge, Lucien Protard et Ludie Esteve, Toréa, Taïriou, face à Jean Colombo. Et la formation de Élie Perret qui mène 12 à 10 face à celle de Gandhi. Alors, excuse-moi, au terrain 86, à 787 attendu, c'est Mélanie Pérez est attendue avec une équipe belge. Voilà, l'arbitre est sur le terrain. Oh, super! Calé contre la ficelle. Je me présente, disqualification. Donc j'invite cette équipe à venir dans les 5 minutes. Alors, sur le terrain international masculin, on a décollé côté belge. 3 points. Sur le terrain 46, le 748 contre le 803. 748, 803. Alors, trois boules en main pour l'équipe colombais. Est-ce qu'on va enfin profiter dans cette main? Là, on a l'occasion. Alors, il y a une boule qui est en plein jeu, là, qui bouche un petit peu le passage. Est-ce qu'on va opter pour tirer tout de suite? Allez, fais-moi de la place. Et faire de la place, oui, c'est ça. Allez, tiens bien celle-là encore. Allez. Allez, en espérant que rien ne bouge derrière. Superbe, superbe, petit rétro. Ah bah le but a bougé, j'avais pas vu, là j'étais masqué par... Alors le but a bougé mais il n'est pas sorti. Masqué par le parasol de la caméra. Et bah, ça arrange un petit peu finalement l'équipe colombais parce que le rétro... est-ce que le rétro compte? Je ne suis pas tout à fait sûr, là j'ai les joueuses qui sont un petit peu devant moi. Non, je pense pas qu'il y en ait deux à mon avis. Il y a une boule derrière. Sur le terrain numéro 5, le 806 contre le 871. 806, 871, terrain 5. Carte d'identité a été trouvée dans le nom de Breuil, Joël. Allez, dernière boule de la main, on fera les comptes. Sur le terrain 14, le 868 contre le 716. 868, 716, terrain 14. Celui-là, il va compter. Alors, on va attendre le décompte final. Alors, merci pour ces félicitations du terrain. Malheureusement, nous ne sommes pour rien. Si, c'est nous qui avons évidemment... on pousse hein, depuis de nombreux mois, de nombreuses années pour avoir un carré d'honneur de ce type. Donc, merci beaucoup
Pierre Cornille et toute son équipe de bénévoles hein, pour effectivement nous proposer ces magnifiques installations pour nous et pour les joueurs aussi hein, qui peuvent évoluer dans un cadre vous voyez, qui est quand même très très large. Il y a beaucoup de place pour se mettre à l'écart du terrain. Vous vous mettez à l'écart du terrain, vous gênez pratiquement pas les terrains adverses. Donc on voilà, on n'a pas besoin d'attendre que la partie d'à côté, ça pointe, ça tire. Le jeu est plus fluide. Et tout le monde y trouve son compte, et vous d'ailleurs, puisque vous nous le précisez. Hein. Effectivement, magnifique terrain. Merci à tous, hein, vous êtes très nombreux pour suivre cette partie de quarte finale. Le 764, Desmond David et Oudard Jacques sont triplette féminin qui a démarré hier évidemment. Et ce matin, ces dames ont le droit à un petit peu de grasse matinée puisqu'on a joué les 8e hier et on est arrivé à 10h30 pour jouer les quarts. Et vous l'avez vu, je mets le score à jour, c'était 2 points pour Colombet qui passe devant. C'est le mano à mano, hein, je vous l'avais un petit peu précisé en début de partie. On sentait une partie serrée, ben c'est le cas. On se passe devant, on se repasse devant, on se re-repasse devant. Allez, c'est frappé, plus de boules dans le jeu. Et il va falloir rejouer pour... équipe de France. Ah, notre ami Anthony, salut mon petit Lisbou. Fidèle debouliste note et qu'on salue. Alors vous l'avez vu, on a changé du côté de l'équipe de France et Toré Atterio qui est passé au milieu. Pardon, qui est passé pointeuse de tête. Bien, main pleine hein, pour Marie Chassin, deux fois dans l'œuf. Le 863. Allez, et le Gustave hein, qui est l'habitude d'un peu connaître ce poste de tireuse là. Oh, là, le pied de la boule. Attention, attention, hein, parce que... pertinente remarque, François. Attention, attention l'équipe de France, parce qu'on a quand même... souvent mené, on a souvent laissé passer quelques mènes. Et puis là, la partie est en train de tourner parce que 9 à 8 pour Colombet, le point sur le tapis, 4 boules à 2. Sur le 728, sur le terrain, pardon, 99, le 728 de Laure Ghislaine est attendu de toute urgence. Terrain 99, le 728. Alors elle est là, celle-ci. Même si elle est passée, même si elle ne procurera pas de danger s'il fallait la tirer. Mais elle a quand même le mérite d'être toute proche. Alors, dernière boule pour l'équipe de France. Et toujours 4 boules en main pour leurs adversaires.
Tout ça sous les yeux de Blandine Veltin. Il y a trois véhicules qui gênent là, sur le parking de la station. Un national qui nous vient de Rouen. Qui est juste derrière le site. Il passera son examen d'arbitre pour être européen lors des championnats d'Europe à Berleville. Renaud Gangour, DW581DCDL. Et un Toyota Prius blanc ET936ZL. Donc ces voitures gênent une sortie. Donc si elles ne sont pas déplacées dans 5 minutes, la gendarmerie sera présente avec toutes les conséquences que ça entraîne. Donc merci de les déplacer rapidement. Nissan Qashqai, Renault Kangoo et Toyota Prius. Sur le terrain 17, le 808 contre le 753. 808, 753 sur le terrain 17. Sur le terrain 7, allez, 4 boules en main. Et possibilité de faire une très belle main. Alors, 705, c'est frappé. 787, terrain 7. Donc, celle-ci, elle n'est plus là. Alors, je pense qu'on va les tirer derrière maintenant pour pointer tranquille. Alors, c'est le bonheur de faire carreau. Et bien, Angélique Colombet, elle aura deux boules en main pour terminer à la fois la main et puis cette partie. Elle est déjà frappée dans un premier temps. Même sans faire carreau, elle peut peut-être chasser les deux et puis cadrer quand même. Sur le terrain 18, le 718 contre le 784. 718, 784, terrain 18. Case attribuée 2 pour la formation. Oh, elle est tombée sur le but. Pas couvert. Eh bien, ça sera 2 points. Finalement, on s'en tire peut-être pas trop mal parce qu'elle avait fait trou. Donc après, ça aurait été quand même compliqué de rajouter. 2 points supplémentaires pour Colombet qui est vraiment dans le money time là et qui avance. 9 et 2, 11. Rien n'est fait, hein, je pense, dans cette partie. Et l'équipe de France hein, qui joue un petit peu en dessous de son niveau, donc il ne manquerait pas grand-chose, je pense, pour revenir dans cette partie. Qui s'impose et qu'on retrouvera à 14h30 pour les demi-finales. Je ne sais pas si le but aura été au milieu du jeu dans cette partie. On continue, alors on est à 9m80 et on continue à jouer tout près des lignes. La formation de Eric Lasnas au tirage. Un arbitre, c'est demandé au graphique, s'il vous plaît. Un arbitre. Case attribuée pour Eric Lasnas. 4, pas couvert. Oh. Ouais, c'est pas mal, hein. Belle approche là pour cette première boule. Et puis, évidemment, vous pouvez consulter la saison hein, qui se déroule là, fin août, septembre et octobre. Vous avez encore de très belles étapes là, qui s'annoncent pour la WebPL Boulistenaute avec des doublons, hein, notamment Bastia et l'Alpe d'Huez. Et ensuite, on aura les grands rendez-vous de Monaco, septembre pour le doublette féminin et puis en octobre pour l'événementiel doublette là, qui sera explosif. Hein, vous allez bientôt voir passer les différentes annonces. Sur le terrain A, avantage à la formation Rousseau de Labrousse, 10 à 5. Voilà, et puis ensuite, il y aura les championnats d'Europe que nous allons suivre à Monaco, championnat d'Europe espoir. Et puis, bien sûr, on rajoutera dans le calendrier le retour de la compétition à Bron, cher à notre ami Damien Ruiz, hein, qu'on salue une nouvelle fois, en espérant qu'il sera très vite rétabli pour reprendre le micro à la main en doublon, donc Chalon. Bron en doublon avec Chalon. Voilà, ça sera pour le deuxième week-end de septembre.
Donc, vous voyez, des week-ends encore bien garnis avec la web télé Bouliste Note, fin août, septembre, octobre. Et puis on clôturera certainement la saison avec le National d'Orléans au mois de novembre. Chez les garçons, c'est la formation de Christian Orléans Seynaud qui mène 11 à 2 face à celle de Mohamed Bouchois. Et dans le dernier quart de finale, un partout. Attend l'équipe 796 au terrain 36 par la 875. Une équipe suisse pétante. Edbert Gina et Kramer Mélanie priaient de se présenter sur la table avant disqualification sur le terrain. Allez-y. Que les lignes de perte sur le terrain 13, le 725 contre le 844. 725, 844, terrain 13. Terrain 10, le 788 contre le 771. 788, 771, terrain 10. Jouer sur le terrain 15, le 792 contre le 737. 792, 737, terrain 15. Eh bien, décidément, la main tourne encore dans cette partie. Et c'est maintenant l'équipe de France qui a 4 boules en main. Alors mathématiquement il y a de quoi de finir, mais on en est quand même très très loin hein, parce que là on est très proche de la ligne. Alors est-ce qu'on va décider de tirer tout de suite cette boule là qui est à 50 sur le côté pour faire de la place et ensuite pointer tranquillement parce qu'il ne faudrait pas venir se coller à cette boule pour ensuite éventuellement empêcher un tir.
Eh bien, si on a choisi de pointer. Allez, il faut passer ces trois boules là. Bien joué. Alors, elle a bien passé les trois boules, mais elle a même passé la, la quatrième, je crois. Allez, on tire à deux pour Nadège Bossian Prota. Eh bien, c'est fait, il y en a deux. Alors, mathématiquement, on ne pourra pas terminer hein, puisqu'il reste deux boules en main. Eh ben ça compte, super. Pour Estève, il y en a trois. Allez, on va peut-être repasser devant. En tout cas, pour l'instant, c'est 11 partout. Alors, 11, 11, 12, 11, 11, 12. Est-ce que ça change beaucoup? Un petit peu quand même, mais l'important, c'est d'avoir fait déjà vraiment le strict minimum, c'est-à-dire ces trois points pour revenir complètement dans la partie. Allez, continue, toi. Allez, essaie de glisser celui-là. Si des fois on a quelqu'un qui descend à, dans la région de Narbonne en début d'après-midi, merci de, et si vous avez une place de libre. Eh bien ça sera 3 points. Allez, on se partout. Là, je te l'équipe de France qui se retrouve à pied. Voilà, donc, si vous avez, et on arrive dans si cette fameuse 13e main, cher à notre ami Marc-Alexandre, où il se dit que de nombreuses parties se sont jouées à cette fameuse 13e main. On va voir si c'est le cas aujourd'hui. 11 partout, 13e main, on joue depuis 1h30 à peine. Qualification pour les demi-finales du féminin de la formation d'Angélique Georgie Alexandra Debel. Mathilde Perrin. Le tirage. Le numéro 783 est demandé à la table. Couder, Eric, Adrien, Eric. Allez, mais on ne va pas changer les bonnes habitudes, hein, jouer complètement en travers et près de la ligne de perte. Alors, 11 à 11. C'est une bonne idée là pour Toréa Terrio de bien engager cette partie, enfin cette main. Comme on dit chez nous, on ne va pas la tirer tout de suite celle-ci. Équipe 783, Coudec, Isabelle et Yemari Didier à la table. Si ça c'est pas mal. Urgence. Superbe reprise. Et c'est même pas ça, c'est Adrien et là on est dans le money time. Hein. Donc là, toutes les boules sont encore un peu plus importantes. Elles pèsent peut-être un tout petit peu plus lourdes aussi. Bonjour d'Allemagne là, qui nous fait plaisir. Comme c'est magnifique ce carré d'honneur. Allez, c'est frappé, ça fait jouer. Et le jeu reste inchangé pour Maryse Chassin. Elle a toujours la même place pour gagner. Elle a mordu.
Avec la boule adverse est plus d'un mètre hein, derrière le but. Donc là, avec ce sur 95, c'est gagné. Alors, est-ce qu'on va continuer au tir ? Ouais, c'est une boule qui n'est pas tout à fait dans le jeu. Elle est légèrement sur la gauche là pour Aura Torrea Terrio. Mais par contre, il va falloir bien doser. Toki rappelle au niveau des nationaux jeunes. Oula, oula, le saut de carte qu'il a fait là. Pour information, oula, monsieur le capitaine, les coachs et les joueurs, les quarts de finale se joueront ce matin avant la pause déjeuner. Cette option a été choisie pour pouvoir permettre aux jeunes qui seront en demi de pouvoir jouer dans le carré de l'heure cet après-midi. Et pour ceux qui perdent en quart, de pouvoir reprendre la route pour ceux qui ont beaucoup de route. Merci. Et oui, à cet endroit du terrain, alors ils ont déjà très très peu joué dans le sens de la longueur. Et puis c'est vrai qu'on avait constaté dans d'autres parties, vous le verrez peut-être quand vous suivrez la série ici, prochainement la série Obja, à cet endroit du terrain, c'est peut-être pas visible à l'œil nu pour les joueuses, mais on a souvent eu ces boules un peu capricieuses là, qui ont mal tapé. Et ça s'est confirmé avec Torrea Terrio. Allez, Lady Estève, elle a bien rattrapé le coup. Alors, 4 boules à 2. Donc, avantage colombais dans cette main. Mais on est tout proche de la ligne. Qu'en est-il du but ? Eh bien non, mais décidément, elle a sauté un nombre incalculable de boules, hein, Fangia Obriao. Allez, c'est pas trop tard pour bien faire, on a toujours l'avantage. C'est frappé. Ça n'est fallu de peu hein, pour que la boule reste dans le jeu. Alors, 2 boules à 2. Point pour Colombet. Son importance hein, parce que l'équipe de France elle a une boule dans chaque main alors que Colombet a 2 boules en main. C'est passé. Pense qu'on va pointer. Eh ben non, je me suis trompé. On va tirer, elle a très très peu tiré, Angélique Colombet, bon ça c'est pas un problème pour elle, hein. Mais c'est quand même un petit tir à la sautée, qui va demander de la précision. Alors, est-ce qu'on va connaître le dénouement de cette partie dans cette main ? Le plus faudrant, Eric, monsieur. Il y a une
point de la gagne dans les mains. Coran, Olivia. Voilà, juste pardon, à passer Olivia, la. Olivia Coran et Olivia. Vraiment, juste à passer la. Et Coran et Eric boule. À la table, c'est les numéros 721. Une boule qui peut même la servir, hein, si elle ne veut pas prendre trop de marge avec la ligne. Oh là là, l'envoyer un avion. Oh là là, incroyable. Eh ben non, on veut, ne veut pas gagner. Et oui, petit geste forcément d'énervement là, de la part de Nadège Bossian-Prota, parce qu'on sent une partie très serrée, une partie un petit peu sous tension. Une partie sous tension parce qu'évidemment, il y a une confrontation contre des joueuses quand même expérimentées. Et puis, je vous l'avais dit en début de retransmission, ben, il y a des places hein, qui sont à prendre pour l'équipe de France. Donc forcément, ces petits points de rajout, ces petites boules manquées, ben, ça va compter hein, sous les yeux du coach. Évidemment, même une victoire arrachée dans la douleur, ben, c'est quand même une victoire. Et là, malheureusement, elle avait 90 cm pour le rajouter et elle a filé un petit peu. Allez, un petit point supplémentaire pour l'équipe de France. Beaucoup de réalisme dans vos commentaires. Allez, 12 à 11. Ah ben on va rejouer. Un petit coup de chance. Ça c'est le risque. De toute façon, on flirte avec les lignes depuis le début de la partie. Donc à partir du moment où le but est très près des lignes, ben, il y a un petit peu plus de chance de le faire sortir. Eh ben on passe à la main 15, pratiquement directement, puisque la main 13 n'aura pas été la main de la victoire. 4-3 face à Rudy Henri Ismaël Chambaud. Allez, on a dépassé l'heure et demie de jeu. Vous pouvez suivre l'évolution des deux compétitions, hein, masculin et féminin, sur l'application Bouliste Note. Il y a déjà des quarts de finale hein, qui sont finis, que ce soit au niveau masculin ou au niveau féminin. Donc vous pouvez retrouver ça. Finale homme intéressante. Allez, on n'a pas le choix là, il faut y retourner hein, parce que c'est le 13e, le point est quasiment ingagnable. Derek Lagrenet, elle a même le droit de s'écarter un petit peu sur la gauche, hein, je pense qu'elle y pense, Angélique Combet, c'est d'ailleurs peut-être même ça qu'elle va tirer en priorité. Non, je pense qu'elle tirait encore la boule, maintenant c'est sûr, elle va s'attacher au but. Allez,
encore deux possibilités de tir au but. Allez, c'est parti pour une main supplémentaire. Ah non, c'est juste taper la boule. Alors c'est quand même mieux qu'un trou, hein, parce que là ça va leur permettre de gagner le point. Alors là il faut vraiment le faire très très beau. Alors l'idéal ça serait d'embouchonner évidemment. Mais on ne sait pas, on est proche des 10 mètres, donc en venant près, rien n'est fait encore. Comme dirait mon ami Pierre Fieux, les boules sont dans les mains. Possibilité éventuellement, mais je pense qu'elle tirait le but la quatrième fois, donc ça c'est pas mal du tout. Oh, superbe, superbe à point. Et ben on va être vite fixé, hein. Et bonne analyse, effectivement on a joué au milieu du terrain cette fois-ci. Alors, c'est frappé. Donc évidemment, ça fait beaucoup plus de place pour gagner le point. Alors, 4 boules à une pour l'équipe de France. Point contre eux. Allez, fais l'effort. Hein, Dodo ? Allez, fort. Alors c'est repris, mais il y a encore un petit peu de place pour le gagner. Pour l'équipe de France, on retrouvera en demi-finale à 14h30. Ah non. J'ai l'impression que la partie va peut-être se jouer sur un coup du sort. Ah oui, c'est pas un coup du sort, mais c'est vrai qu'en ayant tapé le but, ça va quand même offrir un petit peu plus de place maintenant pour aller le gagner, alors qu'elle avait quand même fait trou sur la boule. Alors, 2 boules pour en finir pour Elodie Estève. Non mais alors, victoire et qualification de la formation de Christian Cédo. Baldwin Mani, Donovan Lamberger qu'on retrouvera en demi-finale à 14h30. Et ben voilà, c'est fait, c'est gagné pour cette équipe de France, hein, qui aura bataillé pendant pratiquement 1h3 pour venir. À bout, je vous l'avais annoncé, hein, en début de partie, ça sentait vraiment une partie très très serrée entre ces deux équipes d'un niveau assez égal. Alors on n'a pas vu une superbe partie, mais voilà, il y a eu le mano à mano, on s'est passé devant les équipes l'une après l'autre, et puis ça a été la plus régulière qui a remporté au finish, hein, 13-11 cette partie. Avec Elodie Estève qui me ramène le but. Donc voilà, c'est l'équipe de France qui va passer pour le dimanche après-midi. Donc ça sera en demi-finale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats sur l'application. Et puis il va falloir élire la femme de la partie dans ce mano à mano.
Le choix est un petit peu difficile. On a eu une qualité de jeu à peu près assez égale au niveau des six joueuses. Peut-être Nadège, un bossier en prêta qui sort un petit peu du lot. Elle a un petit peu colmaté de temps en temps. Elle a eu quelques frappes importantes, quelques carreaux. Donc voilà, ça sera mon choix pour cette partie. On est très très heureux. Vous avez été très nombreux à suivre cette partie de quart de finale de la compétition féminine. Donc on vous retrouve un petit peu plus tard pour une demi-finale. Vous aurez bien sûr pour suivre les meilleurs moments de cette partie en replay. Et puis on vous dit bon appétit et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Boulistenote.